j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est une vidéo opening mais de Mystery Pop. Alors c'est des petites boîtes qui existent comme ça, moi j'en ai acheté 3 différentes, je les ai commandées sur Amazon. Donc j'ai un avec plutôt des princesses, une avec plutôt les méchants de Disney et une spécialement sur le monde de Dory. Voilà, donc je ne sais absolument pas sur quoi je vais tomber. En fait on peut voir à l'arrière qu'il y a toute une petite série, alors j'espère bien, j'aimerais avoir un focus, wouhou. Ah voilà, donc là on voit un petit peu tous les personnages qu'on peut avoir, le numéro qu'ils ont et donc le but c'est de pouvoir faire la collection. Moi c'est vrai que je suis vraiment une femme de pop mais je commence à plus avoir trop de place pour les grandes pop, mais je me dis que j'ai encore plein de place pour les mini. On va regarder ça ensemble et puis je vais essayer de deviner quelle pop j'ai sans l'ouvrir tout de suite. Donc là on voit qu'il y a quand même relativement pas mal de princesses. Ariel a l'air vraiment très mignonne, la reine des neiges forcément j'aimerais beaucoup, et il y a Raja qui est le lion, ça y est ça commence mal, je connais son nom mais pas sa race, le tigre qui accompagne Jasmine que je trouve aussi très mignon. Donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble, ça va être la grosse surprise aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire avec une de mes copines et de la deviner. Alors je re-regarde ce qu'il y a. J'ai l'impression que la tête est relativement ronde. Je sens une petite oreille. J'ai l'impression que ça c'est pas une couronne. J'ai l'impression que c'est un personnage. Là j'ai l'impression de sentir les mains ici. Là les pieds. Et du coup là j'aurai la tête. Mais ça me fait penser à des oreilles, comme si c'était un animal, comme si c'était une petite souris. Parce que je vois qu'il y a un animal qui a des grandes oreilles, une petite souris et un petit ours. Alors je parie sur une petite souris. Allez, je parie sur Gus Gus. J'espère que c'est pas lui, mais bon, si c'est lui, c'est lui, hein. Oh là là, mais je suis beaucoup trop forte. Et oui, c'est bien notre petite souris qui va avec Cendrillon. Et je vous avoue que c'est pas celui que j'ai trouvé le plus mignon, mais il est quand même choupi. En fait, je l'ai reconnu grâce à ses petites oreilles ici quand j'ai attrapé. Mais sinon, c'était pas du tout évident parce que quand j'ai touché là, le petit chapeau, je me suis demandé si c'était pas le nez du petit Olaf dans la Reine des Neiges. Donc non, c'est un petit Gus Gus. Mais sinon, elles sont très bien réalisées, franchement, elles sont mignonnes. Donc bah va falloir que je m'en rachète une si je veux la suite. Donc ça c'est pour le premier. Ensuite pour le deuxième, donc pour l'instant c'est sans faute. Pour le deuxième on va passer au méchant. Et donc au méchant là on peut voir qu'on a différents dessins animés. Et moi c'est vrai que j'aime bien le petit chien dans Cruella, j'aime bien le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles, parce qu'à chaque fois ils sont accompagnés des animaux. Celui-là c'est vrai que je les aime bien, et en méchant, j'aime beaucoup celle-ci là. Je sais plus son nom, Cruella, non c'est pas Cruella. Parce que Cruella du coup elle est là, juste au-dessus avec son chien. Et c'est un dalmatien. Ah, j'ai plus son nom. Si vous avez son nom, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai un gros doute. J'ai plus de facilité à retenir le nom des gentils. Alors, oula. Elle est assez grosse. J'ai l'impression que c'est plutôt un personnage. Alors là, je crois que je suis sur la tête. Il y a l'air d'avoir un socle assez grand en bas. Je sens que ça va être compliqué. Alors, s'il y a un socle, c'est peut-être celui du soir dalmatien. Mais là, je crois que je sens des bras. Qu'est-ce que c'est? Alors là, ça va être difficile. Hein. Il n'y a pas de couronne sur la tête, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas de corne, il n'y a pas... Ouais, je sais pas. C'est peut-être finalement Miss Pieuvre. C'est peut-être celle que je voulais, celle où justement j'ai pas son nom. J'ai l'impression que c'est elle. Allez, je me lance. Oh, mais qu'est-ce que je suis forte. Bon, par contre, celle-là, je la voulais, donc je suis très contente. Évidemment, j'ai pas son nom. Ah, je suis super contente. C'est les tentacules, en fait, que je sentais, où j'avais l'impression que ça faisait comme un socle. Et regardez, il y a même les ventouses, elle est super belle. Comment elle s'appelle? Je l'ai ton nom au bout de la langue, là. Tu t'appelles... Je me rappelle du dessin animé, je me rappelle de son rôle. Méchante. Je me rappelle pas de son prénom. Ah, je suis dégoûtée. D'habitude, je suis incollable au dessin animé, et là, je suis bloquée. Bon, deuxième. Elle est trop mignonne, mais... Oh, mais je suis déjà amoureuse des mini-pop, c'est la première fois que j'en commande, je suis amoureuse, là. Et ensuite, le monde de Dory. Allez, on va essayer de vraiment faire un sans faute et de deviner la dernière. Bon, après, je triche un peu. C'est vrai qu'on voit les personnages, du coup, ça aide un peu pour les formes. Sinon, ce serait impossible de trouver. Et la dernière. Donc là, c'est vraiment les personnages du monde de Dory. Ok, alors, réfléchis. Est-ce qu'on a un deuxième... une deuxième bestiole à tentacule? J'ai pas l'impression. Quoique... Est-ce que ce serait pas notre mini? Parce qu'il y en a un, c'est une sorte de mini poulpe rose. Alors, c'est peut-être celui-là. J'ai l'impression que c'est celui-là. C'est le mini. Allez. De toute façon, j'ai une chance sur combien? Sur 12? Ah, il veut pas s'ouvrir! Oh, mais je suis trop forte! Je vous jure, j'ai pas triché, hein! Il est trop chou! Alors, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Oh, il est trop chou! Je vais en commander! Je vais en recommander! J'aime trop!
Oh, mais qu'est-ce que t'es kiki, toi? Oh. Bon, du coup, j'ai deux bestioles à tentacules, quand même. Et puis, notre petit Gus-Gus, qui est mignon, quand même, notre petit Gus-Gus. Mais c'est vrai qu'à côté de toutes ces mini-princesses, j'aurais bien aimé avoir... Bah, ça aurait été génial que j'ai Ariel. Là, on serait resté dans l'océan et tout. Ça aurait été top. Et elle, ça me vient toujours pas, hein. J'ai besoin de vous. En tout cas, je suis hyper contente. Je pense que j'en ferai d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à me dire quel style vous préférez, parce que c'est vrai qu'il y en a plein. J'ai vu qu'il y en avait aussi avec Moana, j'ai vu qu'il y en avait, enfin, avec voilà, avec justement les gentils, les méchants, les princesses, un spécial Reine des Neiges et autres. Et là, j'avais envie de les tester comme ça pour voir un petit peu si c'était joli et si ça me plaisait et si je voudrais en faire une collection. Mais là, j'ai très très envie d'en commander, par exemple, 10 de la même série et de faire un gros pack... opening et puis de croiser les doigts pour avoir que des différents. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vous fais des tonnes de gros bisous et puis lui aussi du coup. I could stay like this forever following you. Just